état de guerre annoncé, la Russie nous attaque, venez défendre votre pays, rendez-vous base militaire. Pardon, non. On est en retard. Vive l'Amérique. Robertson, je vais laisser arrêter une dinguerie, on va aller jouer, on va te niquer là. Pourquoi il a une AK ton collègue là? C'est un russe, fils de pute. C'est des russes qui ont des AK. Drovia, ma Drovia. Zéro paradis ou enfer, c'est la question de trop. Hey. Nous de la ville, on a fait le tour. Revendeur de guitare, on arrose tous les jours. Là où les boyos m'entourent. Je vais finir en prison sans les revoir un jour. Là où les boyos m'entourent. Je vais finir en prison sans les revoir un jour. Nous de la ville, on a fait le tour. Revendeur de guitare, on arrose tous les jours. Je veux ce qu'il est bon, veux ce qu'il me sort. Viens défendre ton pays, Bader. Quoi? Quel pays, bande de fils de... Quel pays? Je suis à Harki, moi. Bah les couilles, de l'Algérie, des États-Unis, de la France. Rien à foutre. État de guerre annoncé, la Russie nous attaque, venez défendre votre pays, rendez-vous base militaire. Allez, speedy, indispensable, nous allons... Mais je crois qu'il y a une dinguerie, les gars, wesh. Qu'on sait ce moto ouvert. Bonjour. Ouais, Romano. C'est toi qui as tweeté? Ouais, c'est moi, c'est moi. Léo Marshall? Ouais. Hein? Léno Marshall, c'est ça ton blaze? Ouais. Et t'es pas un latino? Bah, je suis latino 50%. Vas-y, dis-moi, tu veux quoi? Nick, et merci, moi, pour ça. T'as vu le... l'Africa Twin, là? L'Africa Twin? Ouais, je vois, ouais. Dis-moi, tu le fais à combien, s'il te plaît? Je sais pas du tout, c'est quoi, fils de pute? Dis-moi, au moins, ouais. C'est quoi? Ça ressemble à quoi, ça? Attends, Flicka Twin? C'est la première, je crois. Si tu m'entends encore, c'est la première. Ouais, c'est la première, normalement. Ouais, waouh, wesh, lourd. Bah ouais, je veux ça, moi. Arrange-moi. Tu veux ça? Ouais, s'il te plaît. Mais non, c'est une dinguerie. Mais comment tu sais qu'on a ça? Quoi? Même moi, je savais pas qu'on avait ça, comment tu sais? Bah, j'ai vu dans le catalogue, hermano. Ah, j'attends de voir, y'a quoi, et après je te dirai, ok? Comment ça? On passe plus tard, parce que là, je viens de me réveiller, je sais pas c'est quoi les tarots, je vais faire une dinguerie, moi. Bah vas-y. Ah c'est lourd, ah ouais lourd. Je repasse dans combien de temps? Dans à peu près 6 mois mon ref. Ouais t'abuses là, et si j'ai des galeries pour acheter cette moto là donc Dans la soirée. Vas-y bien vu. Vas-y Romano. Vas-y. Aux enchères modèle unique et moi ça part à des millions. Et moi les gars, moi je vous explique, moi je suis un joueur, t'as vu. Que si je pouvais qu'en faire en sorte qu'on ait 0$ tout le temps, je le ferais frère. Je parle de moi personnellement. Genre je préfère quand ça soit dur et tout wesh. Je kifferais, comment ça s'appelle? Genre on est rien, genre la vente aux achats, ce qui ferait qu'on nous la taxe. T'as compris? Mais avec Gonzalo, vous avez vu ce qui a rendu incroyable, c'est quoi? Que moi, par exemple, mon premier million que j'ai eu, j'ai direct acheté une maison au lieu de faire une loc. Pour que ça soit plus dur, tu vois, qu'on galère, que... L'argent, il avait une valeur, moi, avec mon histoire Gonzalo. Hein. Il avait pas peut-être une valeur, aucune valeur hein, aux yeux de d'autres joueurs, de tout le serveur. Mais moi, de ma POV à moi, l'argent, c'était une dinguerie. Ouais, les gars, nouvelle bécane, dit, nouvelle vie, les frères. Toi, fils de pute, t'as là, dans la fête à l'hôpital. Ouais, attends, j'ai oublié. T'avais le médecin, fils de pute. Arrête. Mais c'est qui elle, c'est qui elle? Je sais pas, c'est des riches, là. Ils viennent dans mon quartier, là, je comprends pas, là. C'est vrai, putain, c'est vrai, il y a deux... C'est vrai, je me suis remis à l'hôpital. Monde de bâtard, ouais. La vie de ma mère, en fait, j'ai pas oublié. C'est bon. T'as cru qu'on était dans. Oh, j'ai cru qu'on était dans. Je viens de m'en rappeler, T'as vu depuis le toit, la vie de ma mère, c'est moi qui tirais, les gars. Parce que c'est plus pareil maintenant. Oh, et tu t'es fait fumer. Alex, merci, mon rêve. Ouais, c'est moi qui t'ai fait fumer. Wesh. Et ouais. Ça va? Hey, tu te souviens ce qui s'est passé la dernière fois? Ça va, ouais. T'as pas froid, Bader? Non. Tu veux que je te prêche une veste, mon frère? Vas-y. Ben, non, j'en ai pas. Non, mais en fait, il faisait beau, mais. Vas-y, bref. C'est quoi le délire là, pays, il est en guerre? Viens voir. Mais j'en sais rien, c'est la Russie, là, il casse les couilles. Attends, j'ai une moto de niquer, viens, je l'arrange, attends. Mais on y va en bécane, non, vas-y, viens, on prend la bécane. Vas-y, monte. C'est conduire, sans ça? T'inquiète pas, va.
C'est où? C'est à la base militaire, non? Ouais, à la base militaire, ouais. Ils ont dit le pays est en guerre, venez défendre le pays. Tu veux défendre le pays ou tu veux tenir une grosse arme? Les deux. Non, moi je suis un patriote, moi j'aime bien le pays. Moi aussi. Radio 495. J'ai pas de radio, moi. De quoi? J'ai pas, c'est Dakota, ma deuxième meuf là, elle m'a dit ouais. Elle m'a dit à ça, il faut venir en radio et tout, je sais pas quoi. En gros, ils montent une armée, je crois, parce que le LSPD est indisponible. Ils vont non, non, c'est l'aéroport, c'est l'aéroport, c'est l'aéroport. C'est l'aéroport, frérot. Ouais, c'est l'aéroport. Et viens, on les chauffe, on va attaquer Caillou. Ouais, viens, on dit la base, elle est là-bas. On dit, on a un indique et tout. La base, elle est à Caillou. C'est bon, allez, hop. Ah, mais attends, récapitulatif, parce que moi, j'avais oublié, je suis venu au coiffeur GS, j'avais oublié que... Les balles là c'était allumé avec de niquer. Attends, en fait, attends, je sais pas où c'est en fait. M'envoyer la poste, ouais, c'était à la base, putain. Mais frère, c'est le même hangar. Ça se ressemble de fou. Laisse-moi conduire, je vais aller plus vite. Laisse-moi conduire. Sinon, on va être en retard, on va le rater. Vas-y, descends. Non, vas-y, toi, descends. Non, toi, descends. Vas-y, toi, descends. Non, je l'ai vu, ma mère, je descends pas. Hop là. Ok, attache-toi bien. Accroche-toi bien, moi, accroche-toi bien. Mais attends, mais c'est quoi cette moto de baiser là? Ouais, t'as vu, faut pas la vendre hein. On a des nouvelles motos en fait au concess. Regarde là, lève maintenant. T'as vu, elle lève quoi qu'il arrive. Tu peux te même... Oh, regarde à gauche. Mais attends, mais elle drift et tout, frère. 24, 5, ça fait 100. Pardon, non, on est en retard. Vive l'Amérique. Allez voir le colonel là, dépêchez-vous. Il est où? Ouais, là-bas là, le mec qui court. Sénégal, maman. Je vais tout niquer ça, grand. Allez, venez vite vous. C'est bon, ouais. C'est à Tizouret. Non, les gars, faut pas me donner ça. Je vais faire une dinguerie, moi. Mettez-vous en colonne ici, derrière les citoyens là. Allez, non, là, c'est la SPD. Allez. Non, mais pas là. Très bien. Il en faut du coup, ouais, c'est eux. C'est vous, les amis Dakota? Ouais. Très bien. Restez là. En fait, c'est... Je vais... Comment reste? Très bien. Quoi? Hey, Robertson. Là, ça va être une dingue. On va aller... Si t'es en train de méditer, tu sais quoi? Ouais. Impossible, je reste sérieux. Je tape mon crâne. C'est pour le contexte parfait pour tout niquer. Non, parce que si toi et moi on nique tout, il y a tout le monde qui va te niquer et ça va être terrible. T'as de l'eau, Robertson? Ça le problème. Filme-moi à toi de ralentir. J'en ai marre, c'est toujours moi qui dois faire le mixage. Merci. Ah, ma bite. Ça peut servir pour la guerre. Mais Idriss, il vient pas. C'est jamais s'il y a un dernier Nicolas. Je sais pas, frère, ce qu'il fait. Ça va, cheveux bleus? Ouais, ça va. T'es un bon. Bah, comment ça, tu es un bon? Bah, t'es un bon. Ouais, je sais, c'est trop bonne. Ouais, t'es bonne. Et une fois que vous avez vos armes, les gars, vous vous mettez en ligne comme les autres, ok? Attends, mais du coup, capitaine. Bah quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais, on change de tenue ou pas? Parce qu'ils ont prévu 20 tenues militaires. Très bien, vous, il manque non, quoi? Armes? Ah, mais munitions. Parce quoi? Très bien. Donnez. Non, c'est bon. Vas-y, bien. Ok. Donnez, carte d'identité maintenant. Les armes et tout, c'est bon. Ok. Il y a mettez-vous en ligne après que les autres. Ok. Pas vous! Pas vous, lui! Très bien, allez en ligne, en colonne là-bas, allez! Allez, avancez-vous là! Carte d'identité! Oui, il faut la tenue à l'arme. Tenez! Les gars, je vais tout niquer! Je vais essayer d'être dans une patrouille! Tenez, allez en ligne! Et créer une embrouille, chape! Bonjour! Tenez! Merci! Tenez! Merci! Tenez, carte d'identité! Ah, attends. Attends, chef, attends, je mets mon sac. Dites-moi, oui. Vas-y, donne-moi les munitions. Voilà. T'es un bon. Carte d'identité, s'il vous plaît. Tiens, champion. Très bien, allez, envoie une ligne. Y'a pas un vestiaire pour qu'on change? C'est devant tout le monde, pas de pudeur ici, on est à l'armée. Allez, en ligne. Avancez, vous avancez. Bonjour. Bonjour, oui. Prêt à servir. C'est très bien. L'Amérique, la nation, le drapeau bleu, blanc, rouge, avec les étoiles. Carte d'identité. Couleur, hein. Tenez, monsieur, à vos ordres. Très bien, en ligne, dépêchez-vous. Je me change où, chef?
Devant tout le monde. Je sors mon gros zeb devant tout le monde. Oui. Moi j'ai un autre truc. Voilà. Il y a pas de sac, bas les couilles. Get get. J'ai envoyé à la princesse, je lui ai dit, j'ai pris une photo, j'ai dit on arrive à attaquer Caillou là pour te libérer. Tu sais quoi, tu veux ça? Monsieur Ah, c'est grave, genre, je te jure, c'est vraiment ça. C'est qui joue avec son voisin? Bonjour. Ouais, mon champion. Vous voulez un coup de taser? Ah. Pourquoi? Mangez votre téléphone, sortez votre arme. Vous avez vu, il est pas sérieux, désolé, commandant. Pardon, chef. Voilà. Et vous là, vous? Allez où votre arme? J'ai pas de sac moi. Allez chercher votre arme là-bas dans, à côté du camion. J'ai pas de sac, j'ai pas de sac. J'ai de la drill peut-être. Allez chercher votre arme dans le camion. Bonjour Ziak. Camion. Je vais vers le coffre. Chef, c'est quoi le voile que vous avez? Moi ça c'est un tapis que. C'était une serpillère que j'avais chez moi. Ah. Ça vous va bien? C'est gentil. Un bon trou de balle. Un quoi? Ça fait un bon, en gros, vous, ça se voit, vous ratez pas vos balles, quoi. Ah, c'est pas quelqu'un qui a boire, là. Ouais, moi, je veux à boire, s'il vous plaît. Mais moi aussi, je veux à boire. Il y en a plus. Tu veux boire? Moi, j'ai ni à boire, ni à manger. Pardon, vous avez dit quoi, monsieur? Je dis, bah, cherche à manger. Ok, ok. Entre les deux yeux. Ah! Mais vous êtes fou, quoi? Vous êtes fou? Vous êtes fou? Pourquoi vous le tassez? Aïe! Fermez-la! Comment ça, fermez-la? Pourquoi j'ai un gros sac? Eh ben, on se casse si jamais c'est pour traiter comme ça, vous êtes fou ou quoi? Par contre, depuis tout à l'heure, vous faites. Et alors, on est là pour servir le pays, nous, hein, on n'est pas des militaires, hein! Aïe! Vous avez pas votre service militaire? On n'est pas des militaires, nous, on est des citoyens! Mettez-vous en rang, restez sérieux! Vous le dis, hein! Respectez les citoyens! Attends, Sylviane, tu vas te battre, toi? Bah, bien sûr, moi, je me bats pour l'Amérique! Un vrai patriote! Ah bah d'air. J'ai failli lui tirer dessus, mais vas-y. J'aimerais pour ça, toi. Depuis tout à l'heure, je vais me mettre mon bonnet. Toi, ferme ta gueule, toi. Ah bon, t'as comme pas ça. À boire. T'as pas à boire. Mais ta gueule. Est-ce que j'ai à boire? J'ai une pina colada, tu veux? Vas-y, que ça, mais on va skier en plein service. Vas-y, on essaie de créer une embrouille interne. Non, je te jure, il n'y aura pas besoin de nous pour ça. Tu penses? T'es un truc de malade, hein? Ouais. Que de l'alcool, fils. Donne-moi à boire, ça. T'as pas une bouteille d'eau, un truc? 495 là. Oh, chef! Non, venez avec moi. Chef! Ouais, venez avec moi. Chef! Pousse-toi. On a besoin de radio, chef. Moi aussi, j'ai pas de radio. Bonjour, monsieur. Vous arrivez, les gars. On a besoin de radio. Mais on a pas de radio, en fait. Est-ce que vous pouvez fournir des radios? Oui, allez voir le colonel là-bas. Faut aller voir le colonel. Viens d'abord. Il m'a dit pousse-toi, lui. Baxon, je rappelle à tous. Chef. Non mais comment qu'on a pas d'armes? Ah l'MP5 là. Chef, oui. Chef, on a des radios. Radio, tenez. T'as un bon. En colonne. Tenez 495. Suivant. 495. Suivant. Regarde, il y en a une là par terre. Ah oui. Suivant. Mais j'ai pas de radio. J'arrive pas à l'attraper. Ah pardon. Tenez. Suivant. Mais c'est bon. J'ai plus d'M4. Est-ce que vous me recevez bien? Oui. Vous radio. Vous recevez bien, bien, bien? Oui, chef, très bien. Impeccable alors. Mon colonel, vous recevez? Salut. Sont des roquettes, on ressent des roquettes. Et les USAF, retour base militaire. On va tout démonter, c'est trop sérieux. Salut, mon gars. Non, arrête donc. Voilà, j'allais le faire, je me suis dit, c'est bon, il va le faire. De toute façon, moi, je peux te jeter des grenades. On va toujours à la base militaire. Peut-être lui. C'est qui suisse de tout. Bon, pas je te la rentre dans le cul, la 4 tourne toi et fais la guerre. C'est la radio 495. Ah, merci, chef. Tout le monde, hein, d'accord. 495. Moi, je suis un vrai guerrier, moi j'ai fait 45 guerres. Moi. Oui, t'es un bon. Arrête de mentir. Moi j'ai fait 45 guerres, j'ai 40 ans. 45 ans, ouais, peut-être. Il y a des SMG, allez. Bon, très bien, écoutez-moi tous, il y en a un qui parle, je lui casse les genoux, taisez-vous. Radio, s'il vous plaît. Vous êtes tous radio 495. Personne parle dans cette radio, d'accord? Il y a que les supérieurs qui parlent pour donner des ordres. Ici devant moi, vous avez le capitaine de l'SPD. C'est le seul avec moi qui peut donner des ordres, d'accord? Lui, il gère ses troupes. 18, IPSF, hélicoptère, avion. Il y a le chef médical, Nate Russell. Hein. Vous êtes tous, Nate. Nate. Mais j'ai fait comment pour sauver le flux quand tu veux? Ah bah il est pas là. Il est plus loin.
Nick. Ok, très bien. Ah oui, il y a la BSSO, mais ils font partie de la police maintenant. Très bien. Écoutez-moi bien. Vous avez été formés pour cette journée, d'accord? Cette guerre, elle est pour nous, d'accord? Si vous avez un collègue blessé, vous savez ce que vous devez faire, les premiers soins, d'accord? Un hôpital sauvage sera organisé sur place par l'hôpital, d'accord? Il y a les chefs de guerre EMS qui sont sur place, vous les amenez en faisant un barrage de sécurité. Écoute là ou pas toi, Bader? Pour les sauver au maximum. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Bader. Oui, chef. Oui. Si je gagne la guerre, est-ce que vous pouvez avoir ma violence? Vous ne m'intéressez pas et arrêtez de dire des conneries, d'accord? Ah oui. Backstop. Non, je n'écoute pas ça. Il y a des messieurs qui n'ont pas fait leur... J'ai vraiment rien écouté. On vous tirera à vue sur les Russes. Ouais. C'est bon, compris. Alors décale-toi, s'il te plaît. Décale-toi pas. Qui s'est piloté un tank ici? Non, ça décale-toi un peu. Je suis là. Ah, très bien, allez dans un tank, vous. Pourquoi il a une AK, ton collègue, là? Ton collègue, là? Je sais pas, c'est... je crois que c'est un infiltré. On est chaniqué à la base. C'est un russe, fils de pute. Hey, t'es qui toi? T'es qui toi? Ouais, mais tu démolis. T'as une AK. On va faire la guerre aux Russes. C'est un russe, lui. Très bien. Taisez-vous, vous. Retournez en ligne, dépêchez-vous. C'est pas prêt. Très bien. Tout le monde m'entend? Apparemment, on a information que les Russes sont déjà sur les côtes, presque, d'accord? Mazdrovia, Mazdrovia! On est trop chaud, on l'a vu! Oh! Wesh! C'est le feu! C'est le chauve, la vie de ma mère, c'est le chauve qui l'a abattu le deuxième là! Je croyais un traître dans les rangs! Oui, il y avait. Sur la confirmation, il y avait un traître dans les rangs! Ça va, calmez-vous, Radio! Je jure, c'est lui là, le chauve! Non! Calmez-vous, Radio, on a abattu le roux! Prenez les blessés, s'il vous plaît. C'est lui, je l'ai vu. Le mec qui a tiré là, il a tiré en l'air. Le chauve. Ramenez les blessés au tente. Oh, le chauve, il a abattu deux Américains. Lui, je l'ai vu. A priori. Attends, mais c'est la bombe. Je le jure, c'est lui qui a abattu le mec là-bas. Oui, c'est moi, capitaine. Bah écoutez, on va vous retirer votre M4, vous êtes en danger public là. Je suis pas expert en russe, mais Nazdrovia, c'est. Il faut s'entraîner au tir quand même. Monde en ligne. Putain. C'est pour ça que je me suis détienne là, Big Boranko. Mais oui. Il y avait une AK en main, lui aussi. Parce que là, il y en a qui vient de tuer deux agents. Sont où les EMS? En kaki, il a crié d'Azdrovia. C'est lui. Ouais, mais moi, les gars, pour moi, c'est lui là. Attends, mais c'est une chose. Ah bah, vous me le lui là. Il y a des traîtres parmi nous? Ouais, a priori, ils auraient abattu quelqu'un qui n'aurait rien à voir. On a besoin d'une unité au hangar, il y a des gens qui sont blessés par balle. Comment? Il y a le monsieur qui a créé grâce de votre vie, je sais pas quoi, qui a été abattu. Il y a eu un traître lui, dans nos rangs. Il aurait tiré sur l'état à sa gauche. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça va, toi t'as pas paniqué. Ah non, j'ai tiré sur l'homme que j'ai vu tirer. Mes lunettes et tout ça, j'arrive pas à les mettre, j'ai mal au bras. Il est bizarre lui, hein. Ah ouais? Bah oui. Ouais. Eh, gros chaud pas, j'ai pas détecté le bail. Eh, par contre, regarde, deuxième truc que je détecte. Hein. Regarde, il est où? Bah, ils sont tellement légers, ils sont pas sur moi. Tu vois, lui là-bas avec le. T'as la même coupe que toi? Blond? Lui aussi, c'est un traître. Oh là. La même coupe que moi, blond? Là-bas à droite, tout là-bas à droite. Oh, la guerre, là. Soit il tire grave mal, soit c'est un traître. Celui qui avait mon ancienne bon, vie, lui, là, lui. S'il vous plaît, avant de tirer, vérifiez que ça va tirer, s'il vous plaît, quand même. Tirez pas sur nous. Parce que là, on en a déjà deux qui sont couchés, trois. Donc deux abattus par nous-mêmes, donc bon, vérifiez que vous savez tirer s'il vous plaît quand même. Il aurait fallu vérifier avant de donner les armes. Mais Nazdrovia, ça veut pas dire santé ou un truc comme ça? Ouais, c'est santé, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit en polonais? Mais il suscite aussi les gens, mais c'est quoi cette équipe? Allo associé. Ouais, je suis service militaire là, associé. Comment ça? Mais les Russes, ils ont gagné là. Envoie la police, viens. Vas-y. Ils ont gagné sans que la guerre commence. En fait, on mène une guerre contre nous-mêmes. Là, c'est comme un but contre son camp, les gars. On est là-bas. C'est moi. Par contre, ça, j'ai eu un réflexe de baiser. Hein. Abuse pas. C'est moi qui l'a eu. C'est moi qui l'a eu. Non, c'est moi, ma mère. Non, c'est moi. Quel radio ? C'est ta mère, c'est moi. Je sais. Mais j'ai tiré une ou deux balles, j'ai soutenu le assistance, quoi. Mais pourquoi tu jures si tu me tenais moi au lieu de lui ? Parce que je m'en bats les couilles de maman. Regarde, la vie de ma mère, je suis un mec de caillot. Et encore. Mais sérieux ? Capitaine ? Mais maman, la pauvre. On a le temps d'aller aux toilettes vite fait là. Ah, j'ai cru que t'as dit. Ah, mais sérieux, t'es de caillot. Tu veux un peu de rhum ou pas?
J'en ai encore un peu. Non, non, tu m'as niqué là déjà. Oui. Toi à gauche là. Tiens. C'est quoi le bus là? Encore un terroriste là? Il peut parler en rond? Quoi? Bah, tu parles ici, tu peux parler si tu veux, si t'as quelque chose à dire. Tiens, frérot. Fini de jouer, bienvenue dans Warzone. Ça va te donner un petit peu de temps. Ferme la radio. Bois un peu, bois un peu, bazar. Bien sûr, je vais boire, je vais tout niquer. Hein. Bois un peu, frérot, ça va. Tu vas regretter. Ça va donner un peu de force. Les gens de chez nous. Bon, on va prendre un petit verre, les frères. Hop. T'as vraiment bu? Attends, bah non, attends que les Russes ils assassinent. Bois, mon frère, bois. Mais ouais, là, ils ont pas de nous attaquer si fort, les Russes. Mais on est chaud bouillant là. Ça monte petit à petit, petit à petit. Moi, on va voir les Russes qu'on va faire. Bon, en plus, c'est bon, mais il y a encore bois. Bon, retour, colonel. Très bien. Ta mère, on a pris le tirage. C'est l'important. Bois, d'accord. On a pas alors là. Maintenant, les ordres sont simples. Vous prenez une position avantageuse par rapport à la plage, d'accord? On va prendre les tanks qui sont là, ainsi que les camions. Ceux qui vont conduire les camions sont des membres de la LSPD, d'accord? Et vous restez tous concentrés, d'accord? Les blagues, c'est pour après, quand vous serez morts, d'accord? Alors, vous prenez votre arme, vous la chargez. Et vous montez dans ces camions, radio 495, allez, dépêchez-vous! Allez, go, le SPG, go, go! Vas-y, viens! On tous ensemble, non? Oula, oula, oula! Ouais, go, go, go! Waouh, moi, tu vois, tu? Suivez les médecins, ils sont en noir, en habit noir. Derba, Derba, juste reste avec moi, reste avec moi, Derba! C'est où? Derrière toi, je suis derrière toi, c'est quoi avec des fils de pute? Sa mère! Juste, perds-moi pas de vue, d'accord? Vas-y! Allez, monte dans! Viens, monte dans celui-là! Bah, je sais pas, on va Derba, perds-moi pas de vue, d'accord? Ouais. Vas-y, un mec du LSPD. Tu veux encore un peu de rhum, mon frère? Shake-moi, shake-toi. Tu veux encore un peu de rhum, mon frère? Oh là, je suis au troisième verre là déjà. Là, je suis bien là. 31. Ah, c'est la Mars à droite. Non? Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Ta gueule là. Oh, tu vas pas mourir. Plus vite, plus vite. Yo, c'est badass ça, je connais. Ouais, bah, il débarque sur la plage. T'avais qui c'est qui avec moi là? Yo, oh, c'est Seb! Ça va, grave du bide? Ça date, yo! Ça dit quoi, les gars? Les gars, qui veut un peu de pierre? C'est quoi, moi, ça, le ciel? Prenez les tanks, s'il vous plaît. Qui veut un peu de pierre? Tu veux un peu de pierre, Lamar? Non, moi, je suis là pour mon plan, t'inquiète. Tiens, bois, mon d'accord, ok. Prenez les tanks. Il n'y a pas d'alcool, les gars. De l'alcool, j'ai pas le droit de boire de l'alcool. Bois, 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 aussi. Je vais prendre des tanks. Allez, ah, vous avez déjà fait la gueule, les gars. Le pays, les frères. C'est bon, quelqu'un arrête. On est des vrais bonhommes. C'est bon. J'en ai. On est des mecs avec du cœur. C'est pas tout le monde qui va venir défendre son pays. Outdog, s'il te plaît, s'il te plaît. Ta gueule, toi. J'avoue, ta gueule, bâtard. Les gars, vous avez combien de balles? 3 places là. Pas vous, les gars, c'est quoi le plan là? C'est quoi le plan? Moi, mon plan, c'est de garder les armes et de. Comme ça, je viens chez les Russes et je tue tous les Russes. Tu vois, c'est ma stratégie. Ouais, ça crie partout, j'ai mal au cerveau là. On reste ensemble, les gars. Le plan, on reste ensemble. Non, le plan, les gars, écoutez-moi, le plan, il est simple. On reste dans la voiture et on écrase tous les Russes, c'est tout. Mais non, non. Bah si. Donc, canon vers le haut, s'il vous plaît. Ah, ok, c'est les frangins, c'est la pire idée. Mais en fait, je propose des stratégies, les gars. Moi, j'ai les couilles. Garde ta stratégie pour toi, je pense. Qui veut Piav? Personne va boire. Ouais, c'est la piave. Attends, mais on va être mais pourquoi il fait de la roller en dehors? C'était quoi les meufs? Eh les frères, restez solides et vaillants. Bois, frérot, bois. Je suis boué là. Il vient de tirer là. Il a un tank, ils sont contents. Et qui est le tank juste derrière moi? Ah, le associé! Je vais tuer tout le monde, je vais tuer tout le monde. Il pleut, associé, je rentre pas. Non. Ouais, tu passes devant. C'est trop tard, associé. Ah, je suis boué. On tue les idées, c'est tiré comme étant l'arrêt. Je vais me faire niquer, comment ça? Non, c'est trop tard, c'est trop tard. Ah ouais, je fais un détour là. Sharp. Je te rappelle. D'accord. Vas-y. Désolé, mon frère. Mais c'est quoi le plan? Là, on va. Le plan, c'est simple. On va tuer. Front et tirer sur tout ce qui bouge. On va tuer tous les mecs de Caillou là. On va sur les côtes les attendre et on verra. Non, c'est pas Caillou là, c'est les Russes là. Vas-y, les gars, surtout, vous êtes morts. Vous inquiétez pas, d'accord? Buvez du rhum. Non. Vous allez être bien. Bois un peu, tiens, Lamar, bois un peu, je bois un coup, vas-y.
bois. Arrête la cité. Mais non, déjà qu'il est pas net. On va aller les sanctionner. Écoute pas, bois. Voilà. Arrête, la mare arrête. Ben oui. Bois encore. Arrêtez de faire boire. Bois, vas-y, bois. Les gars derrière, mais. Ouais, on va toutes les niquer. Mais non. Oh là là, mare, dealer. Tu dois faire ta gueule et conduis là. Eh, hey, parle correctement, t'as compris? Tu vas rien faire, petite merde. Qu'est-ce que tu as à faire, toi? Tu sais pas qui je suis, moi. Eh, là, moi, je me suis réveillé, j'étais deux jours à l'hôpital, mon frère. Je m'en bats les couilles de ta vie. On m'a allumé, moi. On m'a tiré dessus, moi. Et moi, je suis un traître, je vais tous vous tuer, bande de fils de pute. Regarde, vous avez niqué la vie à papa. Donc, moi, je vais vous niquer, j'ai niqué l'armée, moi. Ils sont à gauche. C'est Liane! C'est Liane! Céline, t'es mal à meuf derrière toi, regarde. Mais il se passe quoi? Tu es d'accord? Bon, pas tous les soucis. Mettez le top sur la plage immédiatement. Quelqu'un a l'information qui débarque à pied sur notre plage, faites le savoir. Fais gaffe. Céline. C'est la gueule! Donne-moi de l'alcool, Céline! Donne-moi de l'alcool! Donne-moi à boire! Attendez, mais y'a que moi là, je vois rien là! Non, même moi j'ai mal à la tête là! Ouais, moi aussi je veux voir que je bouge! Je suis complètement bourré! Je veux boire! Vas-y les gars, donnez-moi une bombe, je vais la balancer à la gueule! Je suis en secours! La Russie soutient Caio! Caio Russie, alliance totale! Ça met là aussi! Réitérez, vous avez dit quoi là? C'est pour qu'ils ont peur! Il y a des munitions! Gros soutien à la Russie, en direct de Caio! Nous sommes tous retranchés à Caio. Ouais, nique les Russes, ouais. Allez les gars, on va directement au fond. Il est où mon frère, il est où? Ouais, t'as entendu la radio? Dinguerie. Ouais, c'est quoi ce bordel? T'as dit quoi? C'est quoi ce bordel? Ils ont un Caio? Ouais, ils sont à Caio, truc de ouf. Bombardé. En fait, on a. Il se passe quoi? Putain, ils étaient deux sur la plage là. Ah là là, ça c'est la vie, ça, la guerre. Oh putain, par contre, j'ai tellement mal à la tête. Attends, regarde. Vas-y. Non! Quoi? Oh mon dieu, elle s'est fait abattre! C'est quoi? Reculez! Attention! C'était une traîtresse! Traîtresse dans nos rangs! Attention! Oh mon dieu! Allez-y, on avance sur le flanc droit. Elle a parlé en russe! Ah, t'as envie, mon pote, ça fait plaisir! Oh, absolument rien! Pour la mairie, allez les frères, allez. Ah oui. On y va. Oui. Groupé, on avance. Allez, groupé. La stratégie, c'est d'aller. Je vais nager à leur bateau, je vais les tuer. Non. Arrête là. Ça nous appartient, oui ou non? Non. Oui. J'ai bu de l'alcool, t'inquiète, tu es mortel. Attends, ça se passe bien? Non! Ça se passe bien, oui, ça... Ah, waouh! Attention, connard! C'est qui ce camion?
Allez. Cessez le feu sur la plage. Eh, hey, Céliane. Regarde, derrière toi, Céliane. Ah, t'es un bon. Regarde, y'a Célio, regarde. Comment ça, Célio? Regarde, y'a Célio, lui là. Va te faire reculer. C'est qui, Célio? Lui là, il te ressemble. Ah. Oh, putain, mais frérot. Attends, mais là, on va mourir pour l'Amérique, c'était pas le prévu, ça. C'est pas le script, ça. Bats-toi, et tais-toi. Comment ça, bats-toi? Faites attention, c'est tout, y'a pas de... Le mec il a ramené votre frappe. Oh là les frères, courage, pour l'Amérique. Oh non... Allez, pour l'Amérique. C'est pas vrai... Mais on va où là? On suit qui là? On est en train de suivre qui là? Là on suit qui là? Sur les hauteurs, des collines. Sur les hauteurs, y'avait du monde sur les hauteurs. Faites attention. Les hauteurs? Non, là-bas! C'est Liane! Écartez-vous, s'il vous plaît. Ferme-moi. Oh, mais il nous tire dessus. C'est nous, bande de fils de pute, c'est nous. Tirez dessus. Sur la route, leur tirez pas dessus, c'est nous. Mais tire pas, mais toi t'es... Je leur rends leur balle, mon frère. Vous voulez que je vous aide, madame? Non, c'est bon, ça ira, merci. Ah, ouais, il est là, ton je suis là. J'en ai eu 6. Tu veux un peu de rhum, mon frère? Non, c'est bon, là. Sur la tâche, redescendez. Dis-moi si tu veux un peu de pierre, mon frère. Je joue avec ma vie, fils de pute. Je deviens bourré, je meurs, moi, une balle perdue. Les capotations, côté. Non, mais c'est pour le courage, mon frère, c'est pour le courage. T'es encore bon? Ouais. Tu veux nous porter l'œil, toi? Nique ta mère, toi! Et toi, t'es encore vivant? Ouais, je suis encore vivant. Pour l'instant. Chips! Ouais, c'est Lio, nique ta mère. Comment ça, c'est Lio? Pourquoi tu m'appelles? Tu ressembles à Céliane. Mais frère, j'aimerais pas ressembler à un homme aussi moche. Sérieux, ça? Un peu léger. Procureur! Ouais. Vous allez bien? Lui, il me ressemble. Ça va, et vous, c'est la guerre! Ouais, je vois. On n'avait pas capté que c'était la guerre. Bonjour. Mais t'es con ou quoi? Mais c'est nos potes, ça, tire pas. Vous les rapportiez derrière le bar. Biker sur l'autoroute, c'est là où se trouve la tente. Je les encule, on tue tout le monde. Il est bourré lui aussi, c'est normal, il tire sur les animaux. Là, je vais faire un jeu. On est mode hardcore. Attention à mon attaque. Sur les montagnes derrière nous. Je l'ai eu. Qu'est-ce qui se passe là-haut là? C'est fini, habillé en noir hein. Il est sur le pic, il est tombé. Muerto! Derbat, t'es où? Je suis là. T'es là, mon frère. Ça va, t'es pas blessé, mon frère? Ouais, lui, c'est un russe, lui! Ah, je rigole! Tu veux un peu de pierre, mon frère? Non, c'est bon. T'es sûr, mon frérot? Tu veux pas. Oh, y'a un russe! Non, pardon! Alors, toi, pardon! Je l'ai raté! Voilà, j'ai pas fait exprès, je pensais vraiment c'était un russe. J'ai du mal, chef. Oui. Ouais, j'ai plus de balles. J'en ai eu aucun, chef. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave, l'important c'est de tuer. Donc si c'est grave, tenez, allez vite, repartez vite. Mais chef, est-ce qu'il y a des munitions quelque part? Ouais, c'est moi, j'en ai, viens, je t'en passe. C'est toi qui as demandé des munitions? Je suis là-bas. Ah, jure! Céliane! Je pense que je sens un peu faible, d'accord? Céliane! Je pense qu'ils vont envoyer le paquet à la fin! Oh, Céliane! Pour venir, je vous dis que le camion sera là, d'accord? Céliane! On a coulé leur.
C'est Lian. C'est génial. Oh, oui, cool. Félicitations. Ouais, pour l'Amérique. Ouais, Poutine, nique ta mère. Ils vont essayer de rejoindre la côte vu qu'ils ont coulé. J'ai besoin de renforts avec les chars. Il faut les accurer à bras ouverts là. C'est Liane, t'es où? Putain les gars, on a besoin de renforts. Cobra. Est-ce que vous voyez des personnes de type russe qui viennent vers la plage, oui ou non? Oui, ils sont en train de nager vers nous, Instinct négatif, rien du tout. Il est où mon frère? Il est où? Derrière l'hôpital. Oh! C'est pas où le il est parti sur la plage. Éliminé, Cobra. Éliminé. Prenons les ordres, nous les tanks. On vous baise les Russes, fils de pute! Par contre, il a tué le commandant! C'est moi le chef! Il va bien, il va bien, je me proclame, le commandant est mort, nouveau commandant, c'est Liane! Non, non, il a envie, Carrément. Ça va commandant, vous demandez à sauver la vie. C'est une blague, c'est bon, on lui a sauvé la vie. Voilà, commandant. Mais il était grave depuis tout à l'heure dans le buisson. Commandant, je vous ai sauvé la vie, vous avez vu? Oui, oui, merci, retournez à votre poste, arrêtez de me sucer le pied. Faites-moi une dédicace, commandant. Non, pas de temps après. Il y en a un derrière, là-bas. Où? Là, à gauche, oh. T'as vu? Ouais. J'ai touché? Je sais pas. Moi j'ai touché, non, si sûr. Le but c'est pas d'exploser les voitures! Tant qu'il tire sur un citoyen, je la passe! Muerto, de ma mort. Muerto, muerto! Vous avez des nouvelles informations? Non, non, c'est le même, juste ça coule pas en deux secondes, je crois. Hein. Ok. Proche du camion, s'il vous plaît. Répète, je vais vous faire un code, allez le voir. La Russie et Caio Perico sont alliés, nous sommes ensemble. Vous avez entendu, gouverneur? Quoi? La Russie et Caio Perico sont alliés, ils ont dit. Oui, j'ai entendu ça. On va à Caio? Putain, les fils de pute. Bagno, apparemment, il y a des personnes qui se situent à la montagne, des ennemis. Il faut me replier, une équipe qui se replie du côté du centre médical, immédiatement. Chef, je pense qu'apparemment, il se replie à Caio Perico, faudrait envoyer l'armée là-bas. Mais ils ont dit dans la radio. En radio ils pas ont dit. Pas sûr que ça soit une bonne idée. On a détecté un message à la radio qui stipulait l'alliance de Caio Perico et les Russes. Vous avez entendu le procureur? Monsieur le procureur, hein. Continue. Vous savez où ils sont les collègues des Russes? Oui, je te suis. Nazdrovia, nous nous replions à Caio Perico. Grosse force au mec de Caio en direct de Moscou. Si vous êtes des hommes, ça, je vais en bataille est perdue, mais militaire, la guerre n'est pas perdue. On va vous éteindre. Longue vie à Poutine. Tirez sur le pétain qui s'en va bon. Prenez les blessés. Il y en a dans les camions. Où est-ce qu'il y en a? Fermez-vous, faites la table. Attendez, mais il faut que vous veniez et vous restez près de moi. Je vous en prie. Faites la queue. Faites une colonne, elle a dit, pas le recouvrement. On en a pas beaucoup, je prends 09 là. À courir, te il est où 09? Arrêtez de pousser. Ok, c'est bon pour vous. On bouge pas tous. Allez, faites tout le monde, hein. T'as pas eu Tout le monde me double, je vais tout niquer. Cobra de l'USM, je suis sur une autre radio. Monsieur, il y avait un monsieur à côté de moi, je crois, il a pas reçu. 9-6. Ok, normalement c'est bon pour le monsieur en face merci. De moi là. Je suis chargé comme jamais. Let's go. Ouais. Je crois que je vais refaire un message. Hein. Je reçois des tirariers dans mon tank. Récupérez les équipiers, les collègues. À terre, amenez-les en centre médical immédiatement, allez. Vous pouvez ramener tous les blessés du monde, mais nous sommes à Caio de toute façon. C'est vous. Qui a parlé de
tirer. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Dans tout ça, Caillou. Oh. Pour le front droit de la montagne, il y a un tank qui va exploser. Restez loin. Un de nos tanks est down. Éloignez-vous du tank. J'ai entendu le procureur. Restez loin du tank. Il y a un mec qui a des roquettes au niveau des tanks. En bas. Wesh. Est-ce que ça va un petit peu mieux, madame? Jean, il est éclaté 4. D'accord. Il va faire quoi, wesh? Merci. Moi, c'est pas par balle, donc y'a rien, hein. Ah, c'est bon, je vois bien moi, j'ai... c'est une explosion, la propulsion d'explosion qui m'a mis mal. Je dois faire quoi? Je vais vous donner des médicaments, attendez. Hein. Je crois que c'est pas un allié lui hein. Ah, Nate, j'ai pas un coup de couteau, le mec est terrible. Il m'a mis un coup de couteau. Ok, je vais faire pression sur la plaie, je crois. T'as été propulsé, ça t'a dû avoir un choc quelque part. Ouais, je suis tombé là, vite fait, mais bon, on est des bonhommes. C'est bon. Merci. Tu sens mieux, de rien. Merci. Ouh, ça part à la guerre. Let's go. C'est les agents, ça va? Ouais, ça va. Si vous allez pas bien, bah force. Ils peuvent rien faire. T'es où? Oui. Wow. Wow. Non, c'est bien ce que je disais, c'était pas le bateau. C'est Léon. Ouh. Frère, ouais. Alex. Où, Alex? Les avions ne sont pas avec nous, je répète. Mettez-vous à couvert quelque part. Les avions, ils sont pas avec nous, ils nous bombardent depuis tout à l'heure. C'est la guerre comme pas possible. Non, non. Je suis parti de là-bas. Let's go. Je suis perdu. Wesh, c'est où? C'est risqué de tirer. C'est une victoire, les gars. C'est reculé. Mais ils peuvent à tout moment lancer un missile sur notre zone. Donc on va s'extraire le plus rapidement possible. Ouais. Oh, tout le monde descend de là, on va se manger un bon putain de burger. Par Biker, merci. Ok. Équipe mon combo, réunissez-vous. Maxime. Félicitations à tous, vive l'Amérique. Je sais que c'est lui, j'allais lui tirer dessus, mais... Ils ont ressuscité. Ah, t'as envie. Je m'en fais peur. Ouais, logique. On a défendu le pays. Malheureusement, ils se retranchent à Caillou, de ce qu'on a entendu sur la radio, mais bon. On fera ça pour une prochaine fois. Attends, t'es qui? T'es truffion de brebis, toi? Hein? T'es truffion de brebis, toi? Je suis quoi? Le truffion de brebis? Nique ta mère, toi! C'est très bien! Tout en est des frères de moi, on ira se casser. Félicitations à tous! Hein? Là, on est en guerre, on est des frères. On peut tous applaudir parce que c'est vraiment extraordinaire! Félicitations! Pour l'Amérique, putain! Vive l'Amérique! Ouais, très bien! Oh putain! Arrête de tirer, les gars. Cessez le feu. T'as vraiment essayé de tirer. Là, je l'ai touché, hein. Normal. Dakota. Célan, il est mort. Mais il vient de m'envoyer une photo de lui. Il est mort, je te jure, il est mort. Je te jure, il est décédé, il est fini, il est mort. Bouge pas. Ah, Jason. C'est l'autre qui est derrière. Nate, tu m'entends? T'as pas vu Nelson? Non. Je m'inquiète là. Il s'est soigné. Moi, je m'inquiète. Il est mort là, il est décédé. Hein.
Au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique, je vous remercie. Tu faisais croire que t'étais mort. Ah. Vous pouvez être très fiers de vous, comme la première fois là. Comment ça, comme la première fois? Le bisou. Félicitations Dakota pour ton mariage. Venez sur la route et faites-moi le digne. Oui. Allez, 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 sur la route, dépêchez-vous. Il est porté disparu là, je trouve pas. Putain là. Vous êtes derrière moi, monsieur. Nickel, félicitations à tous. Vous êtes vraiment exceptionnels. J'espère qu'il y aura d'autres guerres. De ce type là, va venir nous chercher, d'accord? Attention. On va s'extraire à la base militaire. Personne ne part d'ici sans monter dans un cargo bob. Je vais récupérer moi-même en ma propre les armes et les munitions et les tenues militaires, d'accord? Celui qui me les rend pas, j'ai les cartes d'identité de tout le monde, je le retrouverai et je le mettrai en fédéral à vie, d'accord? Oui, chef. Tranquilo, 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 oui, chef. Oui, chef. Si, seigneur. Monsieur, je peux garder l'arme pour ma... Ta gueule, j'ai dit quoi? On rend l'arme. Mais c'est pour m'occuper de ta soeur. Je m'appelle Jim et je nique l'armée. Toi, toi, tu vas voir. Ah, ça arrive, allez, montez tous dans les cargo-bob, allez, allez. Vous faites la fierté de l'Amérique, putain. C'est parti, on y va, les gars. Je fais la fierté de l'Amérique. J'ai peur, celui-là, au-dessus de moi, là. Montez, montez, allez, allez, on monte, on monte, on monte. Vous arrêtez de conduire cette merde. Ouais. Autorisation de décoller pour tout le monde, go. Non mais ceux qui sont remplis, autorisation de décoller. Il est bourré le pilote. Doucement. Mettez-vous tous devant l'hangar, d'accord? Doucement. Oh là, oh là, oh là, oh là. Tous devant l'hangar, d'accord. Les gars, à 3, on allume tous les flics en face de nous. 1. Ma femme de ménage 2. Était noire. 3. Quoi? Ah, pas fait exprès, pardon. Qui vient de tirer là? C'est qui vient de tirer? Pardon, pardon, pas fait exprès. Okay. Mettez le cran de sécurité. C'est bien, tout le monde est là. Il manque personne. Ah, on était beaucoup. Fermez ta gueule, toi. Oh, allez hop, ça c'est fait. Merci beaucoup. Ah, il a manqué, oula. Tout le monde le fait. Putain, j'ai réussi à en tuer un, je suis fier. Tout le monde au salut militaire, on va faire une minute de silence pour les victimes. Allez, tout le monde au salut militaire, vous l'avez entendu, en salut militaire, allez. La guerre, elle a commencé, j'ai fait une sieste. Eh, Jean-Marie Le Pen, une fois, c'est drôle. Deux fois. Ça va, il a bronzé. Trois fois, bon. Six fois, huit fois, c'est bon, on a compris, n'est-ce pas? C'est un mec bizarre, frère. Fatigué ma gueule. 12 fois, eh, s'il vous plaît. Salut, s'il vous plaît. Salut tout le monde, en garde à vous faire, lui. De quoi, wesh? Garde à vous ici aussi, allez, 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 garde à vous. Scario, comment ça, garde? La minute commence dans 3, 2, 1. Allah Akbar, c'est parti. Quoi? Attends quoi? Attends quoi? Qui a dit ça? Ah ouais, y'a plus de couilles par là, hein. Taisez-vous maintenant. En fait, y'en a, ils sont pas drôles. Ils essaient d'être drôles, mais au mauvais moment. Voilà, comment ça tu peux te dire que ça peut être drôle? Bravo à tous, merci de votre bien, service. Merci beaucoup. Vous pouvez être fiers de bon, vous. Écoutez tout le monde, je vais passer dans les rangs. Ouais, ouais, ouais. Quand je suis devant vous, vous approchez de moi et vous me rendez les trucs, d'accord? J'arrive et chercher un chariot. J'ai un discours à faire, je peux le faire. Écoutez, vous écoute. faites, allez-y, allez-y, occupez tout le monde. On a fait putain de merde. Oh non, pas lui. Bonjour à tous, je voulais vous dire super la. Je voulais vous dire super la guerre que vous avez fait pour avoir tué les malins méchants qui voulaient nous tuer. Ceux qui sont pas morts, eh ben, ils sont forts. Ceux qui sont morts, ils étaient plus nuls, c'est pas grave. Moi je dis, il faut pas faire des minutes de silence pour eux en fait. Oui. Genre c'est mérité, ils avaient quand même plus fort en fait. Merci, un débit de Bercy. Et vive l'Amérique. Allez, allez, allez. Je suis allé au milieu du champ de bataille, gratuit.
Oh, say, can't you see? Oh, il est pas mort, lui. Bright dawn, early light. Bonne la voix. What so proudly we hail at the twilight last gleaming. Putain, vive l'Amérique. Je crois qu'on est en France. Vive l'Amérique. Et bravo à vous, vous êtes là. Vive l'Amérique. Bravo. Mais comment il est mort, vous voulez, je vous aide à ramasser les armes, monsieur les militaires? S'il vous plaît, je vais me rendre utile. Qu'est-ce que vous voulez faire? Aider à ramasser les armes. Non, mais je vole rien, je vous aide. Pour que ça aille plus vite. Suceur. Oh, c'est lui, range-toi. Suceur, c'est grave. C'est normal qu'il braque quelqu'un là-bas, là. Je peux ou pas? Oh, le suceur. Oh, le suceur. Mais non, mais j'ai envie de rentrer chez moi, c'est rien à voir. Si vous voulez qu'on reste là 20 minutes, on reste là 20 minutes. Spy va mourir. Moi, je suis un suceur, vous avez des trous du cul. Là, il a commencé de l'autre côté de la file. Et les speedy, restez en ligne, s'il vous plaît. 25, on a un suspect, on a un suspect, capitaine. Ça a l'air sérieux leur truc là. Moi je sais pas, regardez. Y'a un truc là. Ah ouais, là y'a Heja x2 là. Il y a un indice avec une C4. Non mais faites que tout le monde reste statique en ligne. Ok. Que tous les civils se remettent en ligne s'il vous plaît. 55, bouge. On recule, on recule. Reculez de l'avion. Il a du C4. Oh, il a du C4. Pas des balles de SMG. Regardez mon matricule, l'agence spatiale. Ok, c'est bon, on se remet en ligne. On a été formé pendant 2 heures, c'est bon. Jude. C'est faux, monsieur, j'étais pas sur le toit. Jude, il est ici. 57, viens, s'il vous plaît. Sur le toit. 57, Jude, venez. Eh ouais, sur collègue, tu nous as fait peur, collègue. T'es un bon. La voiture. Formez les rangs, le SPD, c'est bon, RS. T'as pas tiré de balle? Putain, je vais être en calbut si j'arrive à la combi, je suis sûr. Okay. Le chef des Brabus, bah, dealer, j'ai combattu un chef, chef. Bah, venez, ouais, merci. Comment ça, le chef? C'est un ouf, c'est moi le chef. C'est vous? Non, ouais. C'est Idriss, mais il est pas là, du coup on est chef. Pas là, mais du coup, venez tous les deux, venez tous les deux. Quelles sont vos relations avec Cao Perico? Ou y a pas de problème avec eux? C'est lui le chef, vous? C'est lui le chef. Nos relations sont une relation toxique. C'est-à-dire, vous avez quoi? Vous êtes mal vu là-bas? Vous êtes interdit en de fait, séjour? C'est une ex, nous on l'aimait au début. Mais après, elle nous a dégoûté un peu, donc on l'a cassé. Mais elle est toujours amoureuse. Mais amoureuse folle un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Amoureuse un peu toxique. Genre, elle nous raye notre voiture alors que nous on la cale pas. J'ai besoin de gens qui n'ont pas de soupçons à leur rencontre pour investiguer là-bas. Ah bah c'est parfait. On peut le faire. Clairement. Par rapport au fait que les Russes auraient un lien avec Cao Perico. Enfin, je veux voir jusqu'où ils sont, comment dire, impliqués. Bah, écoutez, ouais, je pense qu'on est le meilleur profil. Vos hommes. Non, on peut être le meilleur profil. Ah bah. Pour vous faire cramer dès le début. Ah ouais, mais non, mais c'est pas le but. Moi, le but, c'est que vous alliez en tant que touriste, en tant que... Ah, mais là-bas, on est cramé à 600 km. En fait, en gros, regardez, monsieur le procureur, le problème, ouais, c'est que toutes les plus bonnes meufs, eh ben, elles sont là-bas. C'est-à-dire, nous, on est partis là-bas, on a géré toutes leurs plus bonnes meufs, et du coup, vu que là-bas, c'est des gros jaloux, eh ben, ils nous boycottent. Alors, mais j'ai une idée, une idée, procureur. Je vous écoute. Je pense, parce que nous, on a la qualité, ce qui nous différencie de tout le monde, c'est que nous, on connaît les lieux là-bas par cœur, on connaît les gens, etc. La modestie, tout ça, oui. Non, on connaît déjà Cao, parce qu'on y est allé plusieurs fois. Si vous arrivez à EMS Pierre, j'ai un agent LSI de blessé dans le fond du hangar. Papiers, mais des papiers, enfin, avec des noms différents, on change notre apparence. Ah oui, ça, on ouais, part par contre, en infiltration pour l'Amérique, pour ouais, vous. C'est vrai ça. On se fait passer pour je ne sais quoi, et on peut revenir avec énormément d'informations. Et avec vos nouveaux papiers. Voilà, parfait. T'es un bon, monsieur le proc. Oh, j'en fais combien? Vous trois, là, c'est tout? Ouais, nous trois. Nous trois. D'accord, on fera des nouveaux papiers. Pour ce qui est du physique, vous faites comme vous voulez. Non. Moi, je m'appelle Pablo Escobar. Moi, je m'appelle Léo Messi. Non. Pablito Escobar, ce sera mieux. Léo Messi. Mais toi, c'est pareil, c'est cramé. Ouais. Et l'autre, il sera CRZ. Ok, CRZ. Non, je m'appelle. Ok, Gustavo Escobar. Gustavo Escobar. Gustavo Escobar. Karim Messi. A.k.a. La Kika. Karim Messi. Le cartel de Cali. Cristiano Messi. Cristiano Messi. Ouais, c'est Cristiano Messi. Cristiano Messi et moi, la Kika. Je vais reformer les rangs, s'il vous plaît. Non, mais sérieusement, Léo Ronaldo va mieux que Cristiano Messi. Hein. Léo Ronaldo. Léo Ronaldo. Non, mais Ronaldo, c'est portugais. Mais c'est son nom de famille. Ouais, bah c'est portugais. Si.
Mais nous on va faire croire qu'on est des caillots périchéens. Ok. Ah d'accord. Ok. C'est pas faux. Okay. Bon moi, eh écoutez, en fait, eh c'est nous les pros, c'est pas vous, sinon vous. Moi je fais les papiers et vous, voilà, vous faites le reste. Cristiano Messi et moi Gustavo là, Gustavo Escobar. Et comment on l'appelle Idriss Derba? Comment on l'appelle? Je pense que ça va être une femme. Hein. Faut une femme dans les trois. Sinon c'est cramé, trois hommes qui débarquent, sachant qu'il y a les trois Brabus. Je pense qu'il va s'appeler Karima Larabza. Roberta comment? Non, on va l'appeler Penelope Cruz. Penelope, c'est quoi ça? On va l'appeler... ouais, je sais Jennifer pas. Jennifer Lopez. Christina Aguilera, ça passe pas, non? C'est la nouvelle, Aguilera, c'est le capri du bois. Ouais, c'est parfait. Ou Ed Sheeran. Ed Sheeran, ah non, ça fait non, pas trop non. Là-bas. Oui, non. Aguilera, ouais, Christina Aguilera, c'est très bien. Non, Penelope Lopez, Penelope Lopez, c'est bon? Allez, Lopez, on va donner l'argent là. Voilà, voilà. Penelope Lopez, ok. Penelope Lopez, Gustavo Escobar et. C'était quoi déjà? Allez, tout le monde en ligne, viens donner l'argent. Ça marche, c'est bon, je reviendrai vers vous dans la semaine pour ça. Vas-y, champion, t'es un bon. Parfait. Merci. Par contre, monsieur le proc, faut vraiment que vous brossiez les dents. J'osais pas le dire. J'ai mangé ce matin, j'ai mangé ce midi et la guerre est déclarée. Ouais, mais ouais, vos ouais, dents, mais... c'est les vagos quoi. La attends, guerre mais... ne justifie pas la laine quoi. Ah non. Non, mais sérieux. Est-ce que c'est au point que je pourrais décoller du papier peint ou pas? Non, mais c'est au point que c'est très désagréable quoi. Bon, vous avez pas un kiss cool? Non, vous allez chez vous, vous brossez les dents. Oui, je vais me brosser, mais c'est pas un kiss cool? Non, j'en ai pas. C'est quoi ça? C'est pas des bonbons là. C'est bon, voilà. Ferme ta gueule. Aïe. Toi, Lamar, ferme ta gueule. Aïe. Pardon. C'est bon, ça marche. Monsieur Poker, vous revenez vers nous et on va faire ça pour l'Amérique ensemble. Ça marche. Bon. Non, ça va, tout va et bien. Moi, je le frappe parce que j'ai ouvert ma gueule, j'ai fait une erreur. Voilà, c'est bien, Lamar. Il a reconnu son. Mais je peux vous aider? Ça mérite un coup de poing. C'était une erreur. Tu vas pas faire une crise? Oh là là. Il l'a frappé sur le torse. Ah! Regardez, il bande. Mais vous avez les tasers trop faciles à la LSPD. Excusez-vous tout de suite. Excusez-vous tout de suite. Pardon. C'est bien. Oui, pardon. T'as tapé Maxine. Pardon. Non. T'as tapé Maxine. Dernière fois. Qu'est-ce que t'as fait? Dernière fois, c'est bien, tu tapes Maxine. Dernière fois, mon gars, je te le dis. Mais t'es fou ou quoi, là? Non, tu t'as pas Maxine, en fait, c'est ma daronne. Ouais, tu m'en les vipers, s'il te plaît. Mais je l'encule ta daronne aussi, frère. Ta daronne, on la prend, on la retourne. La mare, t'as compris pas? Yo, mais en fait, tu dis pas ça. La vie, elle a retourné ton ancienne mère. Tu la nouvelle. On va l'envoyer avec ta ancienne mère, ta nouvelle mère. On va l'envoyer avec ta mère, là. Tu dis pas ça, de Maxine, je te le dis directement. Ils vont faire un voyage en bleu sang. Ta gueule, là-bas. Dans la même fusée. Ils vont faire un featuring dans le ciel. Elles vont chanter, on est des putes. Viens, on va casser ensemble. Viens, on va casser nos têtes là-bas, toi, mon gars. Vas-y. Va, bonhomme, vas-y, viens. Vu que t'as peu de style, déjà, tu recopies mes coups. À l'abri des regards, viens. J'ai gagné. T'as tapé un flic, toi. Mais non, c'est... Aïe, mais non, aïe. Mais c'était un dead. Moi j'ai rien fait, moi j'ai rien fait. Mais je vous vois venir. Céliane, je te fais la gueule. Pourquoi? Mais on a fait un dead. C'est une fille ou un garçon? Ça te regarde pas. Oh là là, mais je demande ça pour savoir. Je t'ai niqué. Non, sérieusement, c'est une fille ou un garçon? Si je te dis que c'est une fille, tu vas dire que c'est une pute? Non, mais c'est un bébé, abuse pas. Je te le dis encore. Bonjour madame, vous êtes courageuse de prendre les armes. Ça va ou quoi? Ah mais c'est Dakota, mais c'est quoi cette tête? Bah oui, c'est moi, t'es con ou quoi? Mais tout le monde me dit... Ah non, tu me vois blanche? Ouais, c'est grosse tête. Ah là c'est bon, ah ouais, papa, putain. Bref, c'est comment là, on peut partir? Bah je crois, ouais. Il semble, hein. Et Dakota? J'espère. Ouais. T'as une Gova? T'as une voiture? Ouais, j'ai une voiture. Mais ça y est, tu peux nous ramener? T'as dit quoi? Ouais, vas-y. Vas-y, merci. Vas-y, force à vous. Vas-y, Lino, prends à toi. Vas-y, Lino. Je suis sûr que j'ai pas envie de faire ça, mais tu me forces. Aïe. Ah, c'est fini. Allez. Bon, on arrive pour de vrai maintenant, ça suffit, wesh. Attends, je me lève, on fait la paix. Je me lève, on non, fait la paix. Non, je fais pas la paix, toi. Si, on fait la paix. Viens, on fait la paix. Aïe.
dispatch, donc en attendant, on repart au convoi. C'est votre voiture Ouais, ouais, c'est ma voiture. Je suppose qu'avant qu'on parte tous, on fasse tous. Non, c'est la mienne en fait. De la victoire. On vous la ramène, c'est bon, chef. C'est bon. Non, attendez. Ah ouais, c'est ma voiture. Mais elle est trop bien, votre voiture, procureur. Et ça, non, je pense qu'il va nous niquer, il va nous niquer. J'avoue, il va nous niquer. Oublie pas le taf qu'il veut nous donner. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le procureur? J'ai l'impression que vous nous courez après. Tenez, monsieur le procureur, tenez, tenez. Mais descendez, les gars. Mais pourquoi? C'est votre voiture? Mais je vous dépose où vous voulez. Ah, mais j'avais pas capté que c'est votre voiture en fait. Mais ça fait trois fois que je le dis. Ça a l'air incroyable. Bah là, si vous donnez niqué, t'as niqué la mission, fils de mort, pute. Putain. Mais attends, mais elle est bien sa voiture, j'ai jamais vu. C'est pas conduire, c'est pas conduire. Mais c'est un bus. J'ai jamais ça vu dit quoi, Dakota? T'es bourré un peu là? Eh, je suis défoncé, les mecs. Ah ouais. T'as combien ta fortune? Elle estime à combien, Dakota? Ma fortune? Ouais. Bah, j'ai rien, j'ai que dalle. Arrête de mentir, t'es patronne du bar là, de mes couilles. Mais ton frère il doit me donner de l'argent depuis 6 jours. Mais c'est un clochard, mais lui. Mais ton frère il doit te donner de l'argent depuis 6 jours. Je vends de l'eau. Non mais wesh. Aïe! 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 Mec, abuse. Putain, mais tu vas vraiment repartir là? La gueule d'un côté, tu vas tout revendre. Et t'as vu là, écoute, là tu rentres dans l'illégal. Écoute-moi bien, parce que là c'est ton frère, ton mec. Attends, la vie de ma mère, moi, écoute, t'es ta haie. Dakota! Oui! Si! La bœuf, quand on va t'en donner, si t'en fais pas partir 100 par jour, tu vas voir ce qu'on va te faire. Non, mais même pas des coups de pression! Non, parce que là, c'est le business, c'est sérieux! C'est pas la peine de lui mettre des coups de pression, elle. Faudra lui mettre des coups de pression à sa copine là. C'est qui sa copine? Qui ça? Elle est charbonne, je sais pas, il y a une autre conce, non? Merci. Ah, mais je suis solo maintenant. Elle est super? Ouais. Elle est partie où? Elle est au verre et mécano. Elle est chez les mécanos? Ouais, pire bail, hein, mais bon. Eh ben, on va lui cramer, elle va revenir travailler. Mais non, abusez pas. Comment ça, non? Mais non, mais vous inquiétez pas, ça va passer gigavite, hein. Gigavite de quoi? Mais vas-y, tu sais pas vendre, toi. Vas-y, ok, on est un client. 3, 2, 1, action. Bonjour madame, je voudrais un verre, s'il vous plaît. Salut mon pote, ça va ou quoi? Tu veux quoi? Tu veux un verre? Vous voyez-moi, s'il vous plaît, je viens prendre un verre. Mais ah, elle est grave nulle, putain. Non, mais ça, faut les mettre à l'aise, les clients. Ouais, mais... Tu les mets à l'aise et tu leur expliques que t'as du thé. Tu mets pas à l'aise comme fort, ça, voilà. Mais à l'aise en gros, petit à petit, tu vois. Juste tu mets une petite. En fait, mais tu m'as pas mis le contexte. Regarde, bah, je viens, je suis un client, tout simplement. Okay. Je viens prendre un verre. Bonjour madame. Bonsoir messieurs, qu'est-ce que je peux vous servir? Je voudrais un verre de d'eau. Ah, un verre d'eau? Bah écoutez, moi ce que je peux vous proposer, c'est que j'ai du thé, ça ressemble à de l'eau. Mais j'ai plusieurs. Non, mais t'abuses aussi, va là, mon. C'est toi qui abuses, c'est toi qui abuses. Dis-moi pas que tu faisais en gros une insinuation que t'as de la bœuf. Putain, Mais attends, mais j'ai même pas commencé. Mais là, je suis un flic, je t'arrête déjà là. Bah oui. En gros, faut que tu fasses la meuf qui veut draguer. Mais j'ai dit, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est lui qui va vouloir te mettre à l'aise. Et ensuite, toi, tu lui dis, bah écoutez, j'ai des petits trucs qui peuvent. Bon, niquer vos mères. Non, vas-y, continue, en vrai, t'étais bien là. Bah, j'avais plus d'inspi, je sais pas, serre-moi à boire là. Vresta plesta, nouma noumaye. Nouma noumaye. Nouma nouma noumaye. Kim postan si dragostarindei. La mundeste o kinte. T'aurais peut-être dû mourir à la guerre, hein. Salut. C'est quoi cette musique déjà? Un haiduk. Chiquelo. Yubimana, Sokete, tu veux faire un petit chien? Vas-y à deux. Allo? Allo? Sampien! Picasso! Samtan Big! Yes, we will do! Prends une photo de couple. Enemy, so can't believe! On est trop mignons tous les deux sur la photo. Ah bon, je vais voir la photo? Non, c'est bon. Ok. Ah, bref, il tourne à combien ton bar là? Y a pas. T'as combien dans le compte d'entreprise là? En vrai, j'ai pas beaucoup, du coup, j'ai le président, il me file 150k par semaine, j'ai réussi à. Mais en vrai, à ça paye up, non? En vendant des verres et tout? Ça paye up, mais avec la drogue, ça va payer. Parce que théorique, en fait, je les vends 200 unités, mes thés là. Mais thé à la weed, je les vends 800. Donc, c'est giga rentable.
Après, ça dépend combien vous les avez, vous, là, oui. Tu vends du T800. Voilà, j'ai jamais regardé de ma vie, je crois. Je vends des motos à 600 000. Qu'est-ce que tu me parles de chiffre d'affaires, là? Ouais, non, mais là, je te parle de... Tu parles à des multimillionnaires. On n'a pas le même pouvoir d'achat. Mais oui, mais tu vends des motos. Mais moi, je te parle de ta weed. Tu la vends à combien, ta weed, normalement? Faudrait la faire partir à 600 ou 700. Bah voilà, c'est bon, je la fais partir à 1000. Minimum, voilà, ok. Je la fais partir à 1000 balles. C'est de la frappe de caillou, en plus, hein. Ben, si t'as plusieurs... en plus, si t'as plusieurs variétés, genre... Enfin, moi, je peux faire plusieurs prix, genre. Tu vois, je dis, il y en a des plus forts et tout, et j'en fais partir un à 1000, un à 1002, et même un à 1100, 1500, genre. En tout cas, t'es la seule meuf que j'apprécie Dakota, et je tenais à te le... Ah bon? Pourquoi tu me dis ça comme ça d'un coup, là, alors que t'es sur ton tel? Est-ce que c'est possible, Bader, tu penses d'aimer deux meufs, mais genre, sincèrement, les deux en même temps? Bah oui. T'en penses quoi, Dakota, toi? Tu penses? Moi, je pense. Moi, je m'en branle, hein. Tu peux aimer 500 meufs, ça me dérange zéro. Hein. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais est-ce que tu penses qu'on peut aimer deux meufs, mais genre très sincèrement et en même temps? Bah non. Bah non. Il y a toujours une qui est au-dessus, t'es sérieux ou quoi? Ouais, mais légèrement, mais tu peux aimer les. Enfin, tu peux les aimer les deux, mais pas au même niveau, mais tu vas les aimer les deux, quoi. Bah, c'est vrai. Pourquoi tu demandes ça? Non, comme ça. En fait, c'est un débat, on est sur une enquête là un peu, là. On veut savoir un peu ce qui est ouais, la vie des femmes à propos de ça. Et tu vois d'autres meufs ou pas, Céline? Non. Peut-être tu peux me le dire, ça me dérange pas. Hein. Non, c'est un piège. Fais le jurer, voilà. Voilà, ça me dérange pas. Non, fais le jurer. Ah, je jure, ça te... Mais... Putain, mais t'es max. Ah ouais? Mais non, mais c'est oui. Tu sais que Dakota, tu sais ce qui m'est arrivé, moi? Eh bah oui, je vois deux autres meufs. Tu vois qui? Faut d'abord que je les valide. Parce que si elles sont éclatées, je veux pas. Bah, la princesse de Caillou Périgord. Quoi? Mais attends, mais je voulais la. Bah, d'accord. Elle, et après et la réfète là, des Vagos. Mais elle, je suis en train de la tège. Putain, il est max. Et nous, on est là. On a eu une seule. Elle nous a mis un couteau dans le dos comme pas possible, frère. Camélia. Ok. Mais là, pour moi, mes deux meufs préférées, c'est toi et la princesse. Mais là, t'es en train de passer numéro 1 un peu. C'est vrai? Ouais, ah, là, c'est bien ça. Le j'aime bien. Qu'on a fait ensemble, ça m'a mis des papillons dans le ventre. Bah, il faudra qu'on enregistre un single. Moi, j'ai envie de niquer ma vie, moi. Et toi, Derba, c'est comment les meufs? Si je te raconte, j'étais là avec une meuf, tout se passe bien. Pour Alex ou Nate. Oh, je suis encore sur la radio, vous entendez? Moi aussi. Attention. Mais il a dit quoi? Et elle m'a trahi au bout de 3-4 jours, elle m'a trahi, mais une vraie trahison. Elle m'a livré. Comme un fils de pute. En fait, on avait. Tous les trois, on avait une meuf à caillot et il y a que la mienne qui était bien. Idriss s'est fait baiser et Bader il s'est fait baiser. Donc là, je vais devenir un vrai bâtard. La première meuf que je crois, je la gère, je la baise, je la bloque. Bah, elle a fait quoi là? Mais déjà, qu'est-ce que tu vas aller prendre une meuf à caillot aussi? Parce qu'ici, y a rien. C'est la merde. Là-bas, elles sont. Mais il y a plein de meufs fraîches ici. Qui? Vas-y. Ouais, mais elles sont déjà avec moi. En vrai, moi, je peux te présenter des meufs. Hein. Elle est au bar là, au bar. Il y avait une meuf là, giga fraîche, Valentina, mais elle est morte. J'y ai fait attention, vous inquiétez pas. C'est pas grave, mais grave chelou, non mais putain. En fait, Caillou c'était trop bien, c'était là, accent latino, en maillot, cheese H24, putain, meilleure ambiance. Mais il y a une meuf là, ici avec toi, on parle de weed, on parle de business. Bah ouais. Tu vois, là-bas, il n'y a pas de business, il n'y a que le... J'y suis jamais allé, mais c'est la guerre, là, ça y est. T'aurais fait comment si elle t'avait pas baisé, la meuf de Caillou? Bah ouais. Je l'aurais baisé. Oh, mais t'aurais été bien dans la merde, là, non? Ah non, il y a toujours des petits contacts, on peut... Non. Oh, serre-moi un Diabolo Kiwi. Bah tiens, ça mère, ça, Diabolo Kiwi. Ça le frigo est là, T'as déjà goûté, t'ouvres ta gueule. Voilà. Non, mais le kiwi, c'est amer. Ferme-la, frère. Non, frère, va dans un truc, tu commandes un Diabolo Kiwi. Ma mère, la pute, si t'aimes pas. Regarde, je me suis engagé. S'engager. Bah vas-y, je testerai ça dans 10 ans. C'est quoi ça? Ouais, les fils de pute. C'est comment ça, les Russes sont où? Ça va, les petits putes? Mais l'hélico, c'est quoi là? Ah là là. Il branle quoi, l'hélico là? Ouais, monsieur le procureur. Mettez la voiture en dessous de l'hélico. Ok. Il va prendre ses lui. Incroyable, il va nous exporter. On nous se met dedans. Oh non, mais la voiture là. L'état, hein. Pousse-toi, ta mère. Attends, mais ça va, dis-moi pas ma mère. Oh merde. Allez, Blendy, va te faire niquer, toi. Bouge pas. Vas-y, remonte. Là, nickel, tu vas.
Vas-y, monte. Moi j'ai le vertige. Ah non, mais là on va vomir. Que, hein. Mais vous savez que moi à partir du 4ème étage, je peux plus. Comment ça? Tu dépasses les 4ème étage, si je regarde par la fenêtre, je tombe par terre. D'accord, t'es content. Non, mais je tombe par terre, en gros, je m'allonge par terre parce que j'ai le vertige. J'ai de ma mère. Le grand 8 et tous ces trucs là, j'ai déjà fait, mais je souffre. T'as déjà fait de l'acrobranche? Non, mais j'ai déjà fait l'amour, Dakota, si tu veux savoir. Oh, super. Contente de le savoir. Oh, oh fils de pute! Oh, non. C'est cool. Aïe. Il a fait exprès, tu crois? Ouais. Mais bien sûr, il l'a fait exprès. Ah. Oh, j'ai cru que la voiture allait exploser, wesh. La même. La galère, ouais. Hein. Faut que je l'aide un peu, tu veux que je le fasse? Vas-y, tiens. Ah, mais elle roule plus. Non. Elle roule plus la voiture. On peut pas t'aider là, chef, faut que tu arrives tout seul. T'as niqué la voiture, putain, elle était comme neuve. En arrière, arrière un peu, arrière, recule. Arrière, recule un peu. Recule. Descends pas. Monte, voilà. Monte. Ouais, monte. Non. Bouffon, putain, t'es une merde. Gauche, à gauche, mon champion. Oh mon dieu. Il est vraiment nul. Mais c'est quoi ça? Attends, viens, je vais lui prendre. Non, mais ça va exploser là. C'est de la merde. Go à Caillou Perico maintenant. Ah ouais? Vas-y, c'est parti. Vraiment? Bon, si on y va, j'y vais. Hein. Bon, bah go. Je vais envoyer un selfie à la princesse après. Elle sait que t'as plusieurs meufs, la princesse, ou je dois faire genre? Non, non, tu fais genre que non, s'il te plaît. Ok. Même devant eux tous là, parce que c'est tout est foutable. Ok. Ok. Je suis trop chaud, hein. Et on devait se poser plus proche. C'est le mien, oui, mais d'autres. Ouais, mais là, je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. Non, mais on va la reprendre. Non, on peut le garder, vous inquiétez pas. C'est bon, laissez-les faire. Vous êtes qui, seigneur? Je suis monsieur Baxton. J'ai prévenu votre gouvernement. C'est qui ça, monsieur Baxton? Je suis vice-président de. Arme à la main et tout. C'est quoi ça, vice-président? Venez, votre président, si je devais être dans votre pays. Et pourquoi vous n'avez pas juste une personne qui gère tout? C'est là. Trop complexe, Eduardo. Il y a trop de trucs à gérer. C'est quoi ton numéro? 3. Tu veux me gérer? C'est là. Je suis pas contre. Mais non, mais. Ah bon? Non, mais si je suis en galère, ils me font trop peur ici. On est où? On là, est. T'es pas prête, c'est des Incas là ou c'est quoi? Regarde, bonjour. Bonsoir. Hola. C'est Gabi. Tu te souviens de moi? Ouais. Ah ouais, je te laisse du coup. Ah, non. Attends vite. Ah, c'est Luna? Oui. Pas être Luna. Non, c'est Gabi? Luna. Ça va Gabi? Ça a repoussé. Ça va hein. Gabi? Non, c'est une perruque. Ah, mais moi reconnaître vous. Non, viens Gabi, viens, on va s'expliquer, viens. Ouais. Ah, mais moi reconnaître vous. Ouais. C'est bon Gabi, ouais. Commence pas. Tu te fous de ma gueule, c'est bon? Mais j'ai fait quoi? Vas-y, dis-moi. Mais non, mais là vous êtes sérieux? J'ai fait quoi? Vous m'avez juste rasé la tête? Toi, tu m'as tabassé? Ah, la vie de ma mère, j'avais insulté, oublié! Tranquille! Putain, ça grand! Toi, okay. Mais par contre, Gabi, par contre, je te promets, je dis pas ça et pour celle, vous rattraper. Et celle quoi. Qui t'a trahi, t'as fait quelque chose, toi? Écoute-moi! Hein, t'as les couilles? T'as rien par fait contre, du Gabi, tout? Gabi, t'es vraiment ravissante avec cette la perruque, vie ça de ma mère, t'es devenue une frappe atomique, ouais, là! Vraiment, je te parle sérieusement. On t'a fait une. C'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, ça repousse, en fait, je viens de comprendre. Non, mais écoute, je te jure déjà, c'était. C'était sur le moment, t'as vu le coup de nerf, mais c'est vrai qu'on n'a pas vengé, on s'est pas vengé sur la bonne personne, malheureusement. Et mais on va bon. Pas se venger sur ce. Et on va jamais se venger. Non mais voilà. Gabi, c'est bon, sans rancune, y'a rien. Non, c'est pas sans rancune. Tu veux raser mes cheveux? Tu veux raser mes cheveux? Oui. Ma bite. Viens, on retourne. Quoi? T'es sûr? Non mais non, arrête. Oublie pas où t'es. Je sais où je suis, Mais tu sais pas avec qui on est, toi. Voilà, moi je suis avec Bouffon. T'inquiète, j'ai été informé. Et voilà, donc tu vas rien faire. Petit tatouage dans le dos, tout ça. Pa, putain. On est arrivé, y'a tout le monde qui a débarqué là, c'est le gars. T'inquiète, ça va. Eh Blanco, ça raconte quoi, mon frère?
d'Alger la Blanche. C'est quoi ton emploi déjà? Ah ouais, c'est bon, ouais, je te parle plus. Ouais, là, attends, je peux partir, Gabi, s'il te plaît? Ouais, tu sais, t'as oublié? Oh, j'ai oublié, frère. Ah, c'est comme ça? Attends, Bader. Juste un petit peu, s'il te plaît. C'est quoi ton prénom? Bader. Ah, bah, Bader, ouais, putain, j'ai un problème avec les prénoms. Ouais, ça va, ça se passe bien. Tu dis quoi ici, là? Pourquoi t'es plus en tenue de milice? T'as un petit pistolet maintenant? Non, non. Je suis toujours milicien, mais dans un autre stade. Je suis sûr, ils t'ont rétrogradé? Non, pas du tout, au contraire. T'es quoi? Je suis. En charge de la sécurité de la princesse. Jure, papa. Eh, t'as vu, Céline, on a à peine mis nos pieds, on a retourné les. Putain. On va pas comprendre pourquoi vous avoir accueilli comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Gabi? On est les stars. C'est que là, c'est le plot twist. Là, c'est le plot twist, Rochamber. En fait, là, t'as dit quoi? Le plot quoi? Le plot twist. J'ai pas compris. Tu vas comprendre, t'inquiète. Non, mais. Plan de twist. Qu'est-ce qu'il y a, Gabi? Mais non. Oh! Non! Princesse. Mais alors, si ne cours pas. Ouais. Quoi? Ne cours pas, j'ai dit, c'est tout simplement. Ah, pardon, ouais. Non, rien, princesse, c'est bon. Attendez, venez, princesse. Je peux vous faire confiance, princesse? Là-bas, par rapport à quoi? Bah, là-bas, derrière, il y a Gabi qui braque mon frère. Ah, parfait, je vais l'aider. Viens ici, Arthur. Là, procureur, ils ont braqué mon frère derrière, juste derrière là-bas. Ils ouais, ont braqué quoi, avec une arme. Attendez. Ils ont Monsieur braqué mon frère. Ils ont braqué mon frère juste là-bas derrière. Préparez avec une arme. Préparez un hélicoptère et des unités. On a des petits soucis sur Cayo Perico, je vous tiendrai informé. Bougez oui, pas. Ils vont nous braquer là, ils vont nous braquer. Préparez-vous. Hein. J'ai couru, je me suis. On va parler. Non mais ils vont nous braquer. Non, je suis ils ont embarqué mon frère déjà. Et moi j'ai couru. Procureur, venez. Quoi? Là-bas, la princesse, tout le monde a braqué mon frère. Ils sont. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils nous aiment pas, j'en sais rien. Et là, je sais pas ce qu'ils sont en train de lui faire. Et là, ils vont vouloir m'attraper, moi et vous, je pense. Mais ils ont pas l'air de vouloir vous attraper, regardez, vous êtes à côté de moi. Je me suis enfui, je vous jure, je me suis enfui. Ils sont là-bas, tout là-bas derrière, avec une arme, etc. Je vous jure, hein, vraiment. J'appelle le colonel. Non, mais moi, je peux pas ramener l'armée comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas laisser mon frère comme ça. Excusez-moi, il est où le frère de monsieur, s'il vous plaît? On va s'en aller. S'il arrive, il est juste en train de discuter. Vous voulez peut-être que je vous serve un petit peu de papaya? Moi, personnellement, c'est bon, mais vous pouvez. Vous devrez avoir la gorge un petit peu. Allez sèche, vers l'hélicoptère, suite à ce qui est arrivé, non monsieur. Moi, ça va, non, ça va, monsieur. On m'a désaltéré quand on m'a extrait du bateau. Ah, voilà, je suis mort, j'ai couru bon. Je pense qu'ils vont juste lui raser les cheveux en vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont braqué Céliane. Quoi? Pourquoi? Je sais, parce que c'est des fils de pute. Il est où là? Je sais pas, ils sont en train de le baffer, je crois. Attends, on va pas partir sans lui, il a dit qu'on allait se barrer, le gars là. Ah ouais? Le procureur, il a dit on se casse. Putain, mais comment je mets le chapeau là que j'ai acheté? Bah, tu t'es guisant eux là? Ouais, parce qu'ils vont me braquer moi aussi, je me suis enfui, j'ai couru. Que en gros, ils nous ont braqué, mais moi j'ai senti la couille, j'ai couru. Ok, dès que tu t'appelles. Attends, mais tu te. Oh, ok. Passe de l'argent, s'il te plaît. Pablo. C'est pas bien d'être hypocrite. Si ça marche dans les deux sens, ça peut faire de gentil avec moi. T'as dit quoi, procureur? Ça te tombe. Oh, procureur, tu m'as répondu quoi, mon champion? Dakota, mon petit cœur d'amour! Tu m'avais trop manqué, ils t'ont rien fait? Ils t'ont pas fait de mal? Pourquoi ils m'ont fait de mal? Putain, mon cœur, je me suis inquiété pour toi. Il est où votre frère? On va décoller, nous. C'est bon, je suis plus avec elle. Je te jure. Est-ce qu'il est votre frère? Je suis unique du coup? Ouais, là c'est bon. Parce que j'ai été avec toi un jour. Là t'es la seule là, parce que frère, elle m'a dégoûté Dakota. Elle est pas faite pour moi, toi t'es faite pour moi toi. Ah bon? Bah je crois qu'elle tape le seum un peu, non? Fais-moi cala. Oui, devant elle? Non mais je vais me faire buter, ça va. Non, c'est bon. Fais-moi cala. Ok. Oh, ça va être mignon. Putain, Dakota, heureusement que t'es là toi. Ouais, allez, ça y est, on se casse. Attends, viens, on se fait d'autres plein de câlins. Non, ça y est, c'est bon. C'est Léon. Ouais. C'est Léon, où est-ce qu'il est ton frère? Où est-ce qu'il est? Bader? Bader? Je suis là, monte. T'es là? Ok, c'est bon. Attends, j'attends le gouverneur. Il s'est passé quoi? Bon voyage tout le monde. Il se passe que Gabi, elle nous a bien baisé. Pas être Gabi. C'est elle la gentille dans l'histoire. Et nous on a cru que c'était la méchante et en fait c'est la gentille. Qui ça? Gabi. Allez, on y va là. Gabi, c'est un babou. Laisse-moi piloter, procureur. Je suis pas au volant. Si. Ayuboan Dakota. Eh,
Salut mon bro, mon Allez, amour. Niquez vos mères les mecs de Kayo. Ciao Gabi. Il voulait te raser la tête Derba. Et Gabi elle m'a dit quoi? Elle m'a dit moi je vais pas le faire parce que je suis pas comme vous. Et y'a rien. Et c'est qui voulait raser? C'était En fait c'était la princesse, la princesse elle a incité Gabi à le faire en gros. Tu vois? Non, RAS. Eh en fait je t'explique, t'as vu quand j'ai couru? Je suis parti voir la princesse, je lui ai demandé de l'aide. C'est bizarre l'hélico là non? Oh tu m'écoutes Céliane? Ouais. J'ai dit à la princesse, ouais, il y a mon frère, il se fait braquer par Gabi, allez l'aider. Elle a dit, ah, ben je vais aider Gabi. Et elle est partie. Moi, ce que ça m'a ouvert les yeux sur Dakota, moi, c'est ça la vérité. Ben, j'étais prête à venir te sauver avec Derva, hein. T'es un bon Dakota. Dakota, on va se marier, toi et moi. Ouais, doucement quand même. On va se marier, hein. Ouais, doucement. Dakota, on va se marier. Oui, ok. Oui, on va vraiment se marier. D'accord. Monsieur le proc, vous m'organisez ça? Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare. Mais non, un vrai mariage. Ah, bah, et moi, c'est le mariage religieux, vous êtes mariés aussi. On descend là, c'est bon? Oh là là, on va exploser là. Mourir, c'est raciste, hein. Attention, hein. Ah, ah bon, bah, un en moins. Ah. Non, mais alors là. Ah, la moitié vous va si bien, les losers. Putain, j'ai grave la haine. Putain. Parce que j'étais en claquette aussi, mais j'étais en claquette. Comment voulez-vous que je pilote un avion en claquette? Il n'y a pas de pédale à un avion. Que j'ai couru, je me suis déguisé. Mais il n'y a pas de pédale à un avion. Il est en tongue. Oui, c'est dans un volant. Ouais, attends, claquette chaussette, mais attends, pas, mais c'est quoi votre style là? Mais non, mais c'est quand on est à Kayo, on a un style de Kayo Périclère. Je vais finir en prison sans les revoir un jour. Nous de la ville, on a fait le tour.